it's over. Yeah, 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 it's over. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Pour ma part, ça a été très simple. Un petit repas avec la mère, donc tranquille. L'idée d'une table me trottait depuis un petit moment. Car pour manger, portant de cuit ou poser ma tablette, c'était la recherche d'un support pas toujours très stable, donc pas très pratique. Mais dans ma tête, j'avais pensé à une table multifonction, qu'elle soit facile à poser, facile à ranger et facile à utiliser. Et pourquoi pas qu'elle ait deux utilités. Donc pour cette fabrication, vous attendez pas quelque chose de pro, mais du fait maison et avec de la récupération et surtout le pratique plus que l'esthétique. Et c'est parti pour la construction de cette table en accéléré et en musique. We'll be right back.
Temporairement, j'ai fixé les pieds de cette façon. Mais je pense que je trouverai une autre solution. D'ailleurs, il y a le système des aimants qu'il faut que j'améliore aussi, car ça ne fonctionne pas encore. Mais ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et je range ça derrière le canapé. Petit problème technique, je n'avais pas calculé ça. C'est un petit peu trop grand. Et en mode camping posé, face mer. Pour éviter qu'il prenne de la place et vu que je peux pas le mettre derrière le canapé, j'ai mis la table sur le côté du canapé. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais, alors participez. Et le seul moyen de participer gratuitement, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche qui est à côté. Rien de plus simple, vous cliquez sur l'icône à la fin de cette vidéo sur Cody et moi et vous vous abonnez directement. Et c'est là que vous rejoignez l'aventure Tartine Nomade. Et c'est maintenant que je vous dis à la semaine prochaine, à l'heure du déjeuner, à l'heure de la tartine.